flâner, assis dans l'herbe, en contemplant des photos exposées en plein air. L'esprit de Bar Objectif n'a pas pris une ride en 20 ans. Là, on est dans la nature, c'est vraiment très agréable et j'aime beaucoup. Ouais, on est en train de voir la suite. C'est la première fois qu'on vient et c'est très bien, on trouve ça très, très agréable, très surprenant, même les photos, des photos qui sont dures même et qui sont terribles. C'est vrai que ça nous donne un aperçu de ce que des gens peuvent vivre. Quoi. Bar Objectif, le festival de photo-reportage souffle ses 20 bougies, un anniversaire marqué par le retour de plusieurs invités d'honneur des précédentes éditions, notamment Patrick Chauvel, illustre reporter de guerre. Avec son appareil, il a couvert une trentaine de conflits au cours de sa carrière. Et puis là, c'est des enfants blessés, orphelins, sans parents. Donc ça pose un problème. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Notre travail, c'est de raconter l'histoire de ce qui se passe dans le monde. Et les gens ont leur vie, donc ils n'ont pas l'occasion d'aller en Syrie ou en Irak. Donc nous, on raconte l'histoire et ça nous permet de raconter l'histoire de vive voix des gens directement avec les photos à l'appui. Donc c'est une rencontre formidable, quoi. Le festival attire chaque année entre 15 et 20 000 visiteurs. Un succès populaire en raison de la richesse et de la diversité des œuvres présentées. Tous ces photographes qui sont venus ici, on pourrait, je ne sais pas, peut-être à 1000, peut-être de 1000 photographes qui ont exposé à Barreau, c'est magique. Et revoir ici les premiers invités d'honneur, Patrick Chauvel et puis d'autres, c'est merveilleux, quoi, parce que c'est des souvenirs qui reviennent, c'est des images qui reviennent, c'est la photographie, c'est ça, c'est magique. Des centaines de photos sont à découvrir à Barreau le temps du festival, jusqu'au dimanche 22 septembre. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, 11h53, bon après-midi. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur na.france3.fr.